Voilà, belle ambiance à l'émission du Peuple Studio 210. Vous pouvez continuer à jouer. Et ça vous montre que nous sommes avec le groupe Emmanuel, guidé, dirigé par le frère Jespin Bon. Ils vont donc nous conduire dans des moments de louange et d'adoration. Mais n'oubliez pas, à la fin, avant la fin du Studio 210 aujourd'hui, il y aura le face-à-face autour de la mystique du serpent. Le groupe Emmanuel et le frère Jespin Bon ont 18 ans d'expérience et on va dire 3 albums à leur actif, mais ils vont nous démontrer ce qu'ils savent faire. Le groupe Emmanuel, est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes. On vous sent pas, est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes là. Zalina Yesu, Telema Kobangate, Ozane Lokazabe, Kaina
telemi na bangate na zane loka zambe. Bine, 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 tu, tu. Jésus qui vient aimer moi, ok.
Che. Que bien, maman. Jésus-Christ. Que bien, maman. On va glorifier l'Éternel. Ce chant parle de l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. Nous allons la cacher. Ce chant parle l'histoire de Caïn et Abel. Et on connaît le mauvais cœur qu'avait Caïn qui avait tué Abel. Et ce chant parle de cette histoire. Et nous allons tout à l'heure chanter Qui peut me sauver? Qui peut me sauver? C'est un chant. Et qui parle, c'est quelque part une prière adressée au Seigneur. D'où peut me venir le secours? Qui peut me sauver? Et dans cet album, on a parlé de quelques cultures congolaises pour la gloire du Seigneur. Donc vous allez entendre comme Elongandi
du congolisme pour la gloire de Dieu. Du congolisme pour la gloire de Dieu. On se sert de la culture congolaise pour glorifier le Tout-Puissant qui peut me sauver tout qui. Qui peut me sauver? Qui peut me sauver? Qui peut me sauver? Jésus. Okay.
Ok. Nous sommes situés dans la rue Gwenné au numéro 16. Et nous allons passer le contact pour tous ceux qui veulent nous contacter. Et je réponds au 06 448 2080. 06 448 2080. Vous pouvez suivre les clips sur YouTube en cliquant sur Jespin Guénève Mbon et vous aurez les clips en intégralité. Merci. Et là, vous suivez, ça c'est le clip de Nabangaté. Nabangaté. Voilà, tout de suite, jingle, question-réponse. Voilà, nous sommes donc dans question-réponse avec M. David Etolo. Il est président de l'association d'Enzobi du Congo. Bonjour. Bonjour, M. Diaz. Alors, nous allons parler avec vous de l'incompatibilité qui, selon vous, d'après les préceptes Nzobi, incompatibilité entre le Nzobi et la magie, parce que le Nzobi ne se mélange pas avec les autres pratiques spirituelles et religieuses. C'est bien cela. Monsieur Diaz, je serais obligé, avant de commencer pour votre question, de invoquer d'abord mes ancêtres, qui est Webongo, Njoba Bongo, Mavokama, Anjoa, Enganja, Ebienga, Esambi, Mbal Maboma, Ngankumu, Obingi, Andu, Oko, Beaso, Metiongabo, Oyulanjobi. Avro Yangabo Moyo Chionjobi, Kandulika Yini Semini Bisini. Voilà, merci beaucoup. Et donc, je disais qu'il y a incompatibilité entre les Nzobi et les autres pratiques. Oui, il y en a. Parce que la magie a une autre tangence qu'il prend. Et le Nzobi n'aime pas la rivalité. Le Nzobi n'aime pas la rivalité parce que est-ce que la magie que nous sommes en train de faire là, ça joue quel rôle? Parce que je peux prendre l'exemple des gens qui jettent les mauvais sorts aux gens, comme le Mbasu, le Mwanja, hein, et le Mbandi.
si vous venez dans le Ndjobi se faire initier, vous allez abandonner tous ces trucs-là. Et si vous êtes magicien, vous voulez se faire initier dans le Ndjobi, il faudra laisser votre magie. Si vous ne laissez pas, il y a quelque chose. Si vous ne laissez pas, vous partez. C'est-à-dire, vous mourrez. Ça, il faudra qu'on soit clair. Le Ndjobi n'est pas la rivalité. D'accord. On va suivre ce reportage de Studio 210 qui revient sur le face-à-face qu'il a eu dernièrement entre Maître Futur Sakekeur Waka et les maîtres Rufin Okis et Rama Nekinda. Et ensuite, nous reviendrons. De l'électricité dans l'air, l'expression a eu tout son sens dimanche 19 mai dernier lors du face-à-face opposant les maîtres Rama Nekinda et Rufin Okis à maître Waka autour du Ndjobi, une puissance et croyance mystique qui régule les valeurs sociales et fait office de justice dans certaines localités du Congo et du Gabon. Contrairement à ces deux challengers, maître Waka appelle à certaines réformes du Ndjobi pour le révigorer. Il ne faut pas penser que le Ndjobi, parce que c'est une tradition, parce qu'on veut élever le Ndjobi et qu'on va penser qu'il fait tout. Non. Les Awandi qui gèrent le Ndjobi sont sectoriels. Parce que je l'avais dit la fois passée que le Ndjobi qui a quel et ne quoi fait pas un bon mot. Moi, ce que je veux du Ndjobi, c'est que le Ndjobi s'améliore. Je veux qu'on les assimile, qu'on les mélange, afin que nous puissions atteindre un degré du Ndjobi plus performant. Une approche que rejettent énergétiquement les maîtres Rama et Okis. Le Ndjobi n'est pas sectoriel. Moi, j'ai agi ici en délivrant une femme dont le mari est inspecteur de CG, perdue dans la maison. À l'académie militaire, elle s'est retrouvée à l'Inzolo. Sans pour autant qu'on l'amène, elle s'est arrêtée seulement à Bakongo. Et finalement, c'est les prêtres qui les ont dit, qui leur ont amené pour dire, grâce à vous, Ndjobi, l'effort que vous avez eu à faire, la femme est là. S'il vous plaît, un Ndjobi ne fait pas de la magie. C'est un menteur. Quand nous, on initie les gens au Ndjobi, tu emmènes tes tapis volants pour tu vas ensorceler, on détruit ça. Ce n'est pas parce que tu veux pratiquer tes tapis volants que tu dois venir dénigrer le Ndjobi. Nous ne pratiquons pas de tapis volants, c'est faux. Le Ndjobi n'a pas besoin de tapis volants. Le Ndjobi n'a pas besoin d'aller retirer le fétiche je ne sais où. Nous avons nos procédés à nous pour détruire les fétiches maléfiques là où ils sont entrés. Mais pas par le système que toi tu fais là, qu'on appelle les pacifiques. Un dialogue de sourds en tout cas, tant que chaque camp campe sur sa position. Pour Futur Sakekeur Waka, il faut expérimenter la trigomie, c'est-à-dire la jonction de la magie blanche, des religions et de la spiritualité africaine. Une pilule difficile à avaler pour ces deux protagonistes. Le débat reste ouvert. Voilà, le débat reste ouvert, comme l'a dit Théosia Bourangon. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que lorsqu'on mélange les pratiques, d'autres pratiques au Ndjobi, en fait, l'auteur de ce mélange-là est pris par le Ndjobi, c'est-à-dire meurt. C'est ce que vous avez semblé dire. Mais lorsque je regarde, Maître Waka, lui, il prône la trigomie, c'est-à-dire qu'il mélange ces pratiques-là au Ndjobi, il est toujours vivant. Maître Rama, qui aussi a un côté magie, qui a fait de la magie, on l'a reçu ici avec des émissions et tout ça, il est dans le Ndjobi aussi, il n'y a pas de problème. Oui, M. Diaz, quand il s'agit de Maître Rama, je pense qu'il faisait la tradition avant. C'était la tradition, ce n'était pas la magie. Il savait qu'avec telle plante, je pourrais soigner telle maladie. Et que c'est très avantageux dans le Ndjobi parce que dans le Ndjobi, il y a la classe des médecins dans le Ndjobi. Ah, d'accord. Okay. Dans le Ndjobi, mais pas la magie. Au moins que lui-même, il se connaît. Et le Ndjobi le connaît mieux. Tu peux tout faire pendant même 5 ans, 6 ans. Le Ndjobi peut te laisser, mais c'est à quel moment qu'il va il va t'arranger avec ton problème. Maintenant, lorsque vous parlez que de Maître Waka, je dirais que je ne pourrais pas faire un débat de Ndjobi avec le Maître Waka. Parce que c'est votre maître. Oui, non, je dis ceci. Vous avez compris tous ces noms que j'ai cités là. J'ai cité le nom de Essambi Nicolas. Le père de Maître Waka. Et Sami Nicolas. Et si je peux vrai dire, je ne connais pas le Maître Waka. Pourquoi? Je connais que
et Samy Ghislain. Je ne connais pas Waka. Comment vous voulez que c'est... J'ai dit, je ne le connais pas. Mais avant, vous voyez venir ici ensemble. Je ne le connais pas. L'époque... Ce que je connais, je sais que je connais que Samy Ghislain. Voilà. En tant que fils de Samy Nicolas. Voilà. Maintenant, lorsque le maître Waka arrive ici, de venir parler au nom d'une Djobi. Vous voyez l'enfant là. Uh-huh. L'enfant là, c'est... C'est votre fils. C'est mon fils. Oui. C'est qu'on dit peut-être que tel père, tel fils, c'est uh-huh. celui-là. Uh-huh. Celui qui garde ses interdictions, c'est un Djobi. Mais oui. Il n'est pas initié. D'accord. Il va se faire initier à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à... Mais à cet âge qu'il est, qu'il a là, il ne pourrait pas se faire initier. Ces interdictions, c'est moi son père, ce sont ses grandes sœurs, c'est sa maman qui supporte. Qui supporte ces interdictions. Ne faites pas ça à l'enfant. Mais si l'enfant a fait ceci, c'est à moi d'intervenir. Parce qu'il n'a pas encore la notion de tout retenir comme les interdictions. D'accord. Le rapport, c'est quoi avec cet enfant? Pourquoi vous l'emmenez ici à l'émission? Je l'amène pour faire quoi? Pour faire montrer. Pour faire comprendre. Pour faire comprendre aux gens que même un enfant de 2 ans ou d'un mois, s'il y a tellement trop de menaces, vous pouvez l'amener dans l'Indjobi, il sera protégé. Il sera protégé. Mais ces interdictions, on donnera à son père et à sa maman de garder. Uh-huh. Maintenant, lorsque vous parlez que, de Maître Waka, je dirais que moi, général de deuxième classe dans le Ndjobi, parce que il y a un général d'armée. C'est Waka. J'ai dit qu'il y a un général d'armée. Oui, général d'armée, il s'appelle, qui est avec moi ici, à Brazzaville, c'est Etitika Rostand, alias Akombo, le fils de Papa Nganja. Ça, celui qui est le Ngankobe. Donc, moi que je parle ici, j'ai tout. Vous êtes Ngankobe? Je suis le Mwanda Nkobe, c'est-à-dire que celui qui suit le Ngankobe. Et Maître Waka, lui, il est qui? Je ne sais pas, demandez à lui. Mais moi, je l'ai entendu parler qu'il détient le Nkobe. Mais si tu ne te fais pas initier, comme on t'avait laissé le truc comme ça, comme il y a un enfant comme ça, là. Lui-même, il connaît. Parce que je dis... ce que je suis en train de parler, le monde entier est en train de me suivre. Ça veut dire, vous dites que, pour comprendre, vous dites que lorsque le papa de Maître Waka est décédé, ça veut dire qu'il avait fait que protéger l'enfant Ndjobi, mais l'enfant n'était pas initié. Il n'est pas Maître initié. Waka. Je dis que comme mon enfant là, il n'est pas initié, il est protégé. Pour le mettre à mon grade, il doit te faire initier et prendre les cours jusqu'à atteindre ce niveau. On ne sort pas. Moi, c'est le problème qui s'est fait, c'est parce que lorsqu'il a dit que c'est lui qui m'avait envoyé dans l'Ndjobi. Tout à l'heure, là, il a dit qu'il était votre maître. Moi, je comprends non. pas. Non. S'il dit qu'il est le maître de Rama et d'Okis, c'est ceux qui viendront intervenir ici. Okay. Pas moi. D'accord. Moi, dans l'Ndjobi, il me reste que d'atteindre et je touche déjà l'Nkobe. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Cette peau-là que vous avez, qu'est-ce que c'est? La peau-là, celui qui a le droit de le toucher, ce n'est que mon enfant-là, et d'autres Ndjobis. Et d'autres Ndjobis. Et que lorsque nous dansons, je danse avec tout ça. Et les couteaux-là. Voilà. On appelle ça comment le couteau? Et ça? Et ciel. Et ciel. Et là, c'est quoi? Ça, c'est juste un accessoire. Non, c'est celui qui est le complément d'Ndjobi. D'accord. Donc, c'est un peu ça ce que je pourrais dire par rapport à ce que le maître Waka a dit. Il a dit, c'est lui qui m'avait envoyé d'aller se faire initier. Non. Donc, c'est faux. C'est faux. D'accord. C'est faux. Donc, vous êtes plus élevé que lui. Donc, si seulement ça, c'est lui qui m'avait envoyé, que je suis en train de nier à la télé, que l'Ndjobi m'attrape, me tue, que je sens que j'arrive à la maison. Mais s'il dit le mensonge, parce que tout ce que nous sommes de dire ici, mais Monsieur Diaz, vraiment félicitations. Félicitations parce qu'il y a certains débats que vous envoyez au TikTok. C'est bien beau. Et on a toutes les informations, même ce que ce qui s'est passé la fois passée avec le maître
le maître qui Waka et Okis. J'ai ces vidéos là, je vais envoyer au village, les gens vont voir. Si seulement si le corbet de Waka, il avait déposé ça chez Lobé, mais Lobé, son père, ça dit que si je dis de mettre Waka, il a dit que son père est mort en 98. Dans la vidéo, j'en ai. Son père est mort en 98. Si son père est mort en 98, il avait quel âge? Si c'est pas 22 ans, 23 ans, 24 ans, il devait avoir ce que nous, on en a comme des signes d'Indjobi. Ça y est où le signe? Non. Si vous voulez voir, ça c'est hors caméra. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, les signes que j'en ai, mon fils là n'a pas ça. Parce qu'il n'est pas encore initié. Maître Waka aussi n'en a pas. Maître Waka, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas, d'accord. Voilà. Il sera tout à l'heure ici, on va lui demander. Donc c'est un peu ça. D'accord. Donc, les questions la question que vous m'avez posée, je dirais, la famille est bien là. La famille est bien là, à Kélé. Ils ont compris que l'air Fouy et l'air Nkobé, c'est pour Essambi, qui a été donné par Maître Waka, je ne sais pas. Quelque part encore, Maître Waka dit qu'il est le Ngankobé. Donc, il détient le Ngankobé. J'ai un moine d'Ankobé, j'ai un Ngankobé avec moi, je suis au même temps moine d'Ankobé. Est-ce qu'il a ça ici à Brazzaville qu'on aille vérifier réellement c'est le Ngankobé? Est-ce qu'il peut citer tout ce qui se trouve dans le Ngankobé? D'accord. Nous aurons donc l'occasion de lui poser des questions puisqu'il sera avec nous. On rappelle que vous êtes président de l'association d'Enzobi du Congo. D'Enzobi du Congo. Voilà, association d'Enzobi du Congo. Et vous pouvez rappeler vos contacts téléphoniques. Oui, je suis au 829 90 62. Et l'autre numéro, c'est le 06. 906 57 57, donc 57 deux fois. Donc pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez mettre plus 242 06 906 57 57. Merci beaucoup, président David Etolo de l'association d'Enzobi du Congo. Et avec notre fils, comment on l'appelle? Il s'appelle Ethan Etolo. Voilà, avec Ethan Etolo, merci d'être passé dans Studio 210. La suite, c'est avec le ritualiste maître Destin Peya Ekibat qui nous parlera du mystère autour du phénomène diplômé sans emploi dans les familles. En fait, pourquoi dans les familles, les enfants vont à l'école, ont des diplômes, mais ils ont du mal à avoir du boulot? Explication dans cet entretien qu'il a eu avec mon désir et cadeau. Dans certaines familles, les diplômés restent sans emploi. La problématique est plutôt spirituelle, d'après Maître Destin Peya Ekibat, que je reçois ce matin pour vous. Bonjour, Maître. Bonjour, Madame la journaliste. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. Justement, pour vous, le phénomène diplômé sans emploi résulte de la sorcellerie, de l'envoûtement, et vous proposez, pour casser cette malédiction, le retour vers les enceintes, c'est bien cela et on vous écoute. Ok, merci beaucoup madame, parce que nous sommes les Africains, il faut carrément aller tout droit comme ça. Donc en Afrique, on a nos choses à nous. On a nos choses à nous, ce qui revient à dire que dans la famille, vous êtes Africain, chaque famille a leur protection. A leur protection qui, depuis les aïeux, depuis les entités, depuis le passé. Maintenant, quand la personne quitte le village, il laisse sa famille, il vient aussi en ville. Bon, arrivé là, il travaille. Maintenant, à cause de son travail, il fait des enfants, il trouve la femme. Maintenant, ils oublient souvent que nous sommes les Africains, nous sommes de la tradition.
Maintenant, beaucoup de gens sont en train de pleurer quand je reçois les gens là-bas. Maître Péa, bon, nous, Macambouzi aussi, maître stagiaire, ça ne tient pas. Toutes choses que nous sommes en train de faire, ça ne marche pas. J'ai dit, voilà, maintenant vous avez regardé votre passé. Et ça, j'ai dit qu'il faut carrément dire ça aux gens qui sont en Afrique. Parce que moi-même, maître Péa, je suis praticien de la naissance et depuis mon enfance, je suis grandi toujours avec mon grand-père. Et mon grand-père m'enseignait toutes les choses-là. Parce que quand on amène une personne de chez moi, on amène une personne chez moi, après la consultation, je regarde. Après, l'autre-là, je fais l'envoûtement. Quand il y a l'envoûtement, il y a des envoûtements. Quand je te désenvoûte, après, carrément, je te protège. Et si ça ne marche pas, s'il y a des choses, ce qu'on appelle les marmites spirituelles, les marmites de la sorcellerie, et c'est là où j'enlève ça, on brûle ça, et puis on casse ça, ou bien les fétiches qui sont fermés quelque part. Donc, je n'ai pas le temps d'aller chez vous. Et je prends ça avec ta prière et ma concentration, mes dimensions, et je fais sortir ça, on brûle ça, afin qu'on puisse, soit ici, c'était dans la famille, ou bien de toi, on casse ça, on brûle ça, et puis ta vie revient un peu libérée. Voilà, parlons de vous-même. Vous aviez commencé à travailler à partir de quel âge? Dans la tradition, non, je suis né avec le grand-père, lui-même, il était... Non, à travailler d'une manière légale, peut-être à la fonction publique et tout, parce que là, on parle des diplômés sans emploi. Moi, oui. Je n'ai pas le temps de travailler, je vais travailler pour qui? On va me payer combien? Donc, vous êtes entrepreneur à la base. C'est ça que je dis. Maintenant, et vous avez commencé à entreprendre depuis quel âge? Mais c'est ça que je dis, depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Oui, j'ai déjà connu l'argent, parce que si tu me donnes 100 000, je vais faire quoi avec ça? D'accord. Est-ce qu'il y a des... Y a-t-il des conditions à respecter pour que ce que vous proposez ait de l'efficacité? Oh non, pour moi, je ne vois pas. Parce que mon grand-père, j'avais demandé la question là. Que non, si on fait la protection à une personne, il faut carrément, on interdit beaucoup de choses. Il m'a dit, si on interdit, pour que la personne prenne ça, on va l'air. Mais sinon, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas de conditions. Quand vous faites le désenvoûtement, oui. Et puis la personne peut reprendre avec sa vie libre. Mais après, il se peut que pendant le parcours de sa vie, qu'on rencontre également, qu'on fasse de nouveau... face à certaines difficultés. Ce que tu dis là, comme les conditions, parce que quand je vais te faire la protection avec choc au retour, ça dit ce que veut dire, tu ne fais pas du mal à quelqu'un et aucune personne ne peut jamais encore rentrer chez toi. Tu vois? Donc, ça, même si quand je protège les gens avec des maris, contre les maris de nuit, là, ou bien des femmes de nuit, ça dit tu ne peux jamais aller encore en sorcellerie quelqu'un, ou bien aucune personne ne peut jamais arriver encore chez toi. Alors, justement, on voyait les grands-parents de l'époque aussi hein, sacrifier toute une génération parce qu'ils avaient leur héritage spirituel, la tradition à préserver. Oui, on est différent. Alors, à ce moment-là... On est totalement différent parce que moi, je suis d'abord initié dans le Ndjobi, encore à bas âge. Okay. J'ai fait 5 fois de Ndjobi. Moi, comme ils sont en train de faire le débat, là, tout ça, je connais. Voilà, donc je disais tout à l'heure qu'il y a eu des grands-parents qui ont sacrifié toute une génération, donc leur progéniture. Mais c'est ça que je dis. Leur progéniture. Je te comprends. Et puis, à ce moment-là, si vous exercez un choc au retour, est-ce que ça va vraiment marcher? Mais ça que je dis, un choc au retour, ça dit, on te dit, ne vole pas. Oui. Si tu vas aller voler, oui. C'est toi-même qui seras d'abord le premier victime. Okay. Est-ce que tu vois? Moi, quand je grandissais, je n'étais pas d'abord praticien. Et quand j'étais avec mon grand-père avait toujours l'habitude de m'amener le Ndjobi et m'initier. Et je lui demandais toujours la question, pourquoi tu me fais tout ça? Il dit non, demain, on ne sait jamais. Parce que quand je ne te fais pas ça, un jour, tu peux aller, soit tu prends l'argent de quelqu'un, tu ne travailles pas le Ndjobi. Ce n'est pas la personne qui va parler, c'est ton Ndjobi là qui va te suivre. Voilà, donc en dehors des causes spirituelles, vous convenez avec moi que certains sont au chômage à cause de la paresse et d'autres réalités. Non, je parle au niveau de la sorcellerie. Okay. Hein? Il y a aussi des conditions sociales qui font de telle sorte qu'on échappe. Les conditions sociales, madame, mais moi je ne peux pas rentrer. Parce qu'on te donne le travail, tu ne veux pas aller au travail. Donc ça, c'est la sorcellerie aussi. Okay. Hein? Ça, c'est pas la sorcellerie. Je parle de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Je parle de la spiritualité, de la sorcellerie. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il a fini ses études, il a fait le bac, licence, machin, mais il est tranquille, mais il ne puisse pas avoir le travail. Et c'est là où je te dis, il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur village, ils avaient leurs égrégores, ils avaient leur mamite spirituelle. Et c'était des fois activé par un grand-père ou bien une grande maman. Maintenant, dans ça, quand la personne est morte, les choses là ne sont plus importantes. Et ça devient maintenant la négativité. Et de la négativité, quand tu vas faire tout, tout est bloqué à cause de la marmite là. Et c'est moi qui ai la capacité d'enlever ça et de brûler ça. Voilà, pour que la personne reprenne avec sa vie normale. Être ouverte. Alors justement, est-ce que maintenant pour vous qui êtes maître spirituel,
à quel âge devrait-on commencer à travailler pour vous? C'est ça que je dis. Moi, là, est-ce que tu comprends? Non, mais après, il y a certaines responsabilités qu'on peut aussi confier à l'enfant. Tu me parles de quel travail exactement, madame? Mais non, puisqu'on parle de diplôme sans emploi. Mais c'est ça que je dis. Donc, tu es sûr, c'est ça que je te demande la question. Oui. Que tel que moi, quand tu me demandes à tel âge que je... Tu me parles de l'âge de comment on appelle ça, des auxiliaires, machin, tout, je vais parler de ça. Je ne peux pas rentrer là-bas. Je dis que moi, je dis que je désenvoûte des gens qui ont des problèmes comme ça. Est-ce que tu vois? Parce que moi, quand tu vas me demander le travail, moi-même, je peux dire, je vais aller, parce que si je fais un travail, ça peut me donner 500 000 en deux jours. Et quand je vais aller travailler chez toi, tu vas me payer 150 000 par mois. Donc ici, le travail pour vous n'est pas forcément aller peut-être à la fonction publique. Très bien. Voilà. Oui. OK. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je dis toujours que celui qui a besoin de moi, je donne mes coordonnées. Il m'appelle. Si mon numéro, le plus 242, c'est 06 666 06 encore 08 à la fin. Et 06 666 06 08 à la fin. Maintenant, comme il y a maintenant des WhatsApp, j'accepte toujours WhatsApp, toujours à mon numéro du Gabon. Donc, 00-241-62-09-19-63. Donc, merci pour votre attention, fidèle téléspectateur. Merci à vous, Maître Kibat. Studio 210 continue. Merci. Voilà, Studio 210 continue avec Maître Wakar. Vous savez, le Nzobi, depuis un moment, on en parle assez dans Studio 210, avec beaucoup d'interprétations, certainement aussi des amalgames, mais au fond, Maître Wakar, président de l'École africaine des initiations spirituelles, va nous expliquer le Nzobi selon lui, d'après ses expériences. Et donc le thème, c'est le Nzobi selon Waka. Bonjour, Maître Waka. Bonjour, monsieur le journaliste. D'accord. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent partout au monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir du Nzobi aujourd'hui, pour vous qui avez une certaine littérature autour de cette tradition africaine? Eh bien, mais merci beaucoup. Je suis très content, très heureux qu'aujourd'hui... on parle du Nzobi à la télé parce qu'il y a eu quelqu'un qui a ouvert le chemin. Et aujourd'hui, je leur apprends que le Nzobi est étudié à l'université. À partir de nos livres, étudié dans quel sens? Il y a des étudiants en master ou en doctorat qui font des recherches sur les religions de l'Antiquité ou sur les pouvoirs et puissances des Bantous. Mais puisqu'il y a peu de gens qui ont écrit sur nos traditions, alors nos livres deviennent donc des socles, des références. Et aujourd'hui, Maître Waka est cité dans beaucoup d'articles, beaucoup de mémoires et beaucoup de thèses de doctorat pour ceux qui font histoire, anthropologie et religions africaines. Le Nzobi, c'est ma coutume, ma culture, notre coutume, notre culture que j'ai toujours prônée. Les Ndjobistes ne doivent pas me voir comme leur opposant, non. Non, loin de là. Je n'ai jamais eu l'intention ni d'humilier le Ndjobi, ni de mal parler du Ndjobi, ni de vendre le Ndjobi, ni d'anéantir le Ndjobi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire, non. Mon problème, c'est que les gens parlent du Ndjobi ce que le Nzobi a demandé, d'en parler et de donner des éloges sur ce que le Nzobi fait. Alors, le débat qui s'est passé, je ne sais pas, qui a eu lieu le dimanche passé, a fait beaucoup de buzz, tout ça. Non, Waka n'a pas de problème avec les Nzobistes ni avec le Nzobi. Mais Waka voulait juste essayer un peu de recadrer ses propres élèves. Ses propres élèves, parce que tous ceux qui ont fait les débats avec moi ici,
ce sont mes élèves. Vos élèves dans le Njobi ou comment je comprends? Non, pas dans le Njobi, dans la spiritualité profonde. D'accord. Et en tant qu'ancien, en la matière, même si quelqu'un se dirait qu'il n'est pas l'élève de Waka, mais Waka, c'est un ancien dans le domaine. Parce que beaucoup d'entre eux ont commencé à soigner les malades, Waka y était déjà. Donc, il a plus d'expérience dans le domaine de la tradition et de la spiritualité en général. Donc, le Njobi, en fait, c'est... C'est une école initiatique. Une association, vous dites aussi? C'est une association, c'est-à-dire que le Njobi a évolué au fil des temps. D'accord. Et qu'il était, quand il est arrivé, au fur et à mesure qu'il évoluait, il s'est associé. Si vous allez, par exemple, au sud du pays, Longo, c'est une coutume à part entière. Si vous voulez intégrer Longo, vous partez chez les membres du Longo, on vous initie. Si vous voulez intégrer Longkula, Longala, ce sont des coutumes ou des écoles qui sont encore à part entière du Njobi. Mais au nord, chez nous, ces sociétés-là, toutes ces forces se sont réunies dans le Njobi. Et quand on danse le Njobi, tu verras, il y a des danses des jumeaux, il y a les sombo, il y a toute une corporation des forces que le Njobi a embrassées. Et le Njobi ici n'est pas contre toute une force étrangère, non. Le Njobi est contre tout ce qui tue, tout ce qui fait le mal. Ça veut dire que, je prends un exemple, voilà. Si dans le christianisme, on ne tue pas, le Njobi peut être associé au christianisme. Voilà. Dans ce si dans l'islam, on ne tue pas, voilà. On peut être associé. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si, selon quand moi. Quand c'est des religions où il y a des sacrifices, parce que j'ai toujours le Njobi ne peut pas être associé avec ces genres de religions-là. Voilà. J'ai toujours dit, le Njobi a pour rôle soigner, guérir, protéger et tuer les méchants. La magie a pour rôle guérir, protéger et tuer les méchants. Même la religion, ils ne peuvent pas être en antagonisme. Ils ne peuvent pas se battre. À quel moment le Njobi est rentré en contradiction, par exemple, avec les magiciens? C'est du moment où les premiers magiciens, lorsqu'ils ont eu leur pouvoir, ils sont allés au village vouloir s'acharner contre le Njobi. On a des grands qui ont eu leur pouvoir. Au lieu de soigner les gens comme nous le faisons, au lieu de rester tels qu'ils étaient, ils sont allés là-bas pour chercher à soutirer le Njobi et anéantir le Njobi. Du moment où ils étaient les enfants du village, les papas se sont dit, ah bon, donc votre truc là est contre nous, à ce moment-là, vous n'êtes plus les bienvenus. À ce moment-là, vous n'êtes pas les bienvenus. L'Église, pareillement. Mais vous voyez que l'islam a eu plus du succès. Même le professeur Chakonta Diop le dit, que l'islam a eu plus de succès en Afrique de l'Ouest. Parce que lorsque l'islam est arrivé, cette religion s'est adaptée avec les coutumes des pays ouest-africains. Or, le christianisme, en arrivant en Afrique centrale, a démoli nos coutumes. C'est là où ils sont rentrés en contradiction. Ça aurait été que le christianisme s'était enrimé avec nos coutumes, qui du moins ne sont pas des coutumes négatives. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir le problème. Donc, ce n'est pas que la magie a des problèmes avec le Njobi, ce n'est pas que le Njobi a des problèmes avec l'Église, mais c'est les intérêts des gens. C'est les intérêts des gens. Moi, je suis magicien, je suis njobiste, je vais au village, j'envoie les gens là-bas, mais on n'a jamais eu de problème avec eux. Ça, c'est un débat parce qu'on était en plein affrontement avec mes élèves, je ne pouvais pas leur laisser le temps. Voilà, je ne pouvais pas leur laisser le temps, sinon on allait dire que non, X et Y ont marqué le point. Lorsqu'on est dans un ring, chacun cherche à marquer le point. Voilà. Donc, ce n'est pas que Waka a des problèmes avec les Njobistes, mais Waka a voulu juste recadrer ceux qui voulaient se faire comme des premiums, comme ceux qui connaissaient tout. Il fallait quand même les coincer, leur dire que non, ce n'est pas ça. Le Kingunza, par exemple. Oui. C'est une religion africaine. Qui s'associe tranquillement avec le Njobi. Ils peuvent s'associer avec le Njobi. Le Nkwemba, il peut s'associer avec le Njobi. Les Miyaya. Donc, le mélange, l'association des autres pratiques n'est pas un problème dans le Njobi. N'est pas un problème. Eux, nos papas disaient ceci. Mais la force du Njobi, c'est ce mélange-là.
Par exemple, chez nous, on ne jette pas les mots de côte ou les Mwanza. Ça, c'était l'apanage des gens du septentrional, Mboshi Kuyu. Mais lorsque un initié, Kuyu ou Mboshi, arrive, il s'initie dans le Njobi, et qu'il a, par exemple, le médicament qui soigne le Mupanzi ou bien le Mwanza, mais le Njobi fait quoi? Il le prend. Ça fait sa force. S'il a une autre personne qui a le Mwanza, plus tard, mais il va utiliser ce médicament-là. Voilà. Donc, ouais. le manque d'associativité du Njobi fait à ce qu'il puisse être stagné aussi, qu'il puisse garder son étape empirique. Mais le Njobi, selon Maître Waka, ce serait le Njobi qui va avoir le vaudou à l'intérieur, qui peut avoir, parce qu'il y a des Béninois que nous envoyons là-bas, il y a des Chinois, mais si quelqu'un vous apporte un médicament, imaginez-vous un Chinois ou un Béninois qui a un médicament du sida, par exemple, ou du cancer, par exemple, qui intègre le Njobi et qui lègue ce médicament-là au Njobiste, ils vont le refuser. Ils ne vont pas le refuser. Ils vont commencer à traiter les gens avec. Par exemple, lorsque vous avez des consultations dans le Njobi ou des traitements à faire, vous pouvez donc vous rapprocher d'Auguste Balandré, par exemple, pour prendre des produits là-bas. C'est voilà, possible. Si la personne qui se présente n'a pas, au sein de cette société, n'a pas quelqu'un qui a, par exemple, ce médicament. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez faire recours à quelqu'un qui a ce médicament. Donc, le Njobi n'a jamais demandé qu'il ne soit pas associé, sauf pour ceux qui font du mal, sauf pour ceux qui tuent les gens. Sauf pour les Andjimba, par exemple. Vous ne pouvez pas associer le Njobi avec les Andjimba. On peut aussi associer le Njobi avec ceux qui ont des tapis volants. Non. C'est faux. On peut associer le Njobi avec ceux qui ont des tapis volants. Comment ça? Tapis volant ne veut pas dire tuer les gens. Non. Vous faites des rêves, non? Mais vous sortez. Tout le monde sort. Tapis volant, c'est un instrument comme le véhicule. C'est un instrument comme un avion, juste un instrument de déplacement qui nous permet d'arriver quelque part à un bon port. Celui que vous appelez votre élève, là, Maître Rama, il disait dernièrement que dans la tradition africaine, il n'y a pas de tapis volant. Il y a des tapis volants parce que la tradition africaine est née en Égypte. Or, l'Égypte a un livre qu'on appelle le livre de vie, des anciens, le livre des morts des anciens Égyptiens. Le livre des morts, c'est là où se retrouve tout l'enseignement des morts sur l'âme. Donc, ceux qui se disent des Kamites, ils n'ont qu'à posséder ce livre-là. Les Noirs ont une Bible. J'allais l'amener ici, bon, je ne l'ai pas emmené. Mais même s'ils rentrent sur Internet, ils mettent seulement le livre des morts des anciens Égyptiens. C'est un livre de 600 pages. Et c'est là où il y a tous les rituels de l'Égypte Kamite. C'est là où on va vous dire comment est-ce que, et le livre des pyramides, on va vous expliquer comment est-ce qu'ils ont construit les pyramides. Ils n'avaient pas des grues. Comment est-ce que ils ont pu soulever ces pierres-là? D'accord. Alors, la force du Njobi, non, la base du Njobi, j'ai envie de dire, c'est la protection. On peut dire ça comme ça. Mais le but du Njobi, c'est quoi en fait? C'est la justice, c'est l'enseignement, c'est... Le Njobi avait un intérêt et un but. Son intérêt, c'est la protection, l'élaboration des égrégores. Mais le but du Njobi, c'était la justice. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de tribunaux tels que nous en avons ici. Et je leur ai toujours dit que je parle du Njobi en tant que philosophie, en tant qu'anthropologie, en tant que Njobi intellectuel. On ne rentre pas dans les affaires qui sont dans le foyer, non. Sinon, ça ne marchera jamais. Parce que moi-même, voilà, on est tenu par le secret. On dit ce qui peut être dit et écouté. Mais les gens doivent savoir au moins. Si on laisse le Njobi comme ça, on n'en parle pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui quittent ailleurs. Mais c'est parce que comment les gens en parlent? Quelqu'un qui quitte les États-Unis doit savoir sur quoi il s'engage. Voilà. On va peut-être expliquer le déroulement de l'initiation, mais il doit quand même savoir ce sur quoi il s'engage. Donc, d'où il est nécessaire que nous puissions parler un peu du Njobi en tant que justice. Parce que le Njobi, si vous volez, il vous arrête chez nous. Si vous faites du mal, il vous punit. Et s'il y a un doute ou quelque chose que l'on veut connaître sur la mort de quelqu'un, le Njobi va déterminer qui avait tué et qui ne l'a pas fait. Vous voyez? Donc cette justice nous a permis à une éducation.
C'est une justice très incisive quand même, parce que vous avez parlé de punition. Dans le Njobi, j'ai l'impression qu'on ne punit pas, on tue. La punition, c'est la mort. Non, le Njobi punit. Le Njobi punit, mais la maladie, c'est le Njobi. Le Njobi donne la maladie, le Njobi peut vous envoûter, le Njobi peut envoyer même un serpent vous mordre. Le Njobi a beaucoup de phases qui peut punir quelqu'un. La langue, là, ça sort, je l'ai vu. La langue, là, ça peut sortir, devenir juste ici. Et quand vous confessez, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts chez nous parce qu'ils ont volé des œufs. Ils ont eu à voler des poulets. Et ils n'ont pas avoué. Quand vous avouez dans le Njobi, à ce moment-là, les gardes du Njobi vous font une confession et dès cet instant, vous donnent le médicament, vous soufflez. D'accord. Alors, le Njobi, ce sont aussi des interdits. Oui, le Njobi a beaucoup d'interdits. Beaucoup même. Les interdits phares, en fait. Non, il n'y a pas de... On ne va pas peut-être citer les interdits phares, mais je vais juste... faire un cours sur les interdits, parce qu'on parle que d'une Njobi, on parle d'une Njobi que son avantage. Donc, vous pensez qu'un grand fétiche comme ça n'a pas d'inconvénient. Mais le Njobi, c'est déjà une inconvénient. C'est déjà des inconvénients même. Vous voyez? Le Njobi a des interdictions. D'abord, ne tuez pas, ne faites pas ceci, ne tuez pas tel insecte, ne mangez pas ceci. Je reçois des gens, des enfants par exemple, qui souffrent de l'épilepsie, qui viennent chez moi. Et le Njobi, selon Waka, c'est réduire ces interdictions-là. Qui parfois n'ont plus de valeur absolue, parce que ça rétrécit la marge de manœuvre de quelqu'un. Voilà. J'ai reçu quelqu'un où je reçois des gens, un enfant, qui a 16 interdits parce qu'il souffre de l'épilepsie, il ne mange pas la braise, il ne mange pas le feuille de manioc, il ne mange pas ceci. Mais finalement, tu te rétrécis et la marge de manœuvre devient difficile. Dans le Njobi, c'est pas. Le Njobi avait 42 commandements, 42 interdits. Et du moment de nos pères, ils ont su diviser en deux. Et au fur et à mesure que le Njobi évolue, alors ces interdictions-là... Mais le Njobi n'a pas moins de 10 interdits. Tu ne te fâches pas contre ta femme, sinon tu ne vas plus manger sa nourriture. Bon, si tu manges, le Njobi t'arrête, il te tue. Bon, imaginez que vous êtes ailleurs. Il n'y a pas les amis du Njobi, là. Bon, tu reviens du boulot, tu arrives là, madame a mis la nourriture. Bon, il n'y a pas l'eau. Avec la pression du boulot, tu dis, bon, je ne mange plus ta nourriture. Le Njobi, c'est une prison, finalement. Je ne mange pas ta nourriture. Tu vas prendre ta bière vers 15h, tu as faim. Mais tu ne peux plus manger cette nourriture. Si tu le manges, le Njobi te tue. Vous voyez? Donc, il y a des interdictions. Le Njobi, c'est dangereux. À vous entendre parler, on a l'impression que dangereux, c'est dangereux. Peut-être trop dit, mais le Njobi, c'est sans ses principes. Or, le Njobi, selon Maître Waka, c'est enlever un peu tout ça. Hein? C'est enlever un peu toutes ces interdictions. C'est là où se pose peut-être le problème. Lorsque vous dites le Njobi, selon Waka, c'est enlever ces interdictions-là. Qui est Waka pour enlever ces interdictions? Et ça m'amène à poser la question qui en réalité contrôle le Njobi? C'est-à-dire que le Njobi, lui, on en parle. Le Njobi n'a pas un chef suprême, oui. Mais quand vous aviez, si votre père avait un foyer, et s'il meurt, il laisse quelqu'un. Moi, je dis, c'est parce que nous sommes en ville. Si j'étais au village aussi, j'allais continuer avec le foyer. Vous qui pensez peut-être apporter des réformes, améliorer le Njobi, vous le faites. Comment, avec la permission de qui? Non, mais ça commence toujours un peu par ce petit débat. À vous lancer le débat pour ramener... Voilà, pour que nous puissions... lancer une réflexion. Quand je suis allé dernièrement au village, j'étais avec les vieux parents, je leur ai expliqué ma vision. Mais le Njobi a commencé par les femmes. Aujourd'hui, les femmes ne rentrent plus dans le foyer. Qui a amené le Njobi? C'est les femmes. Mais pourquoi on les a chassées du foyer? Vous voyez? Mais une femme qui a ses propres problèmes... Il n'a pas un neveu ou un enfant garçon pour aller intégrer le Njobi. Oui, on peut lui faire le Njobi dehors, ça se fait. Dans l'hangar, les femmes intègrent le Njobi à l'hangar. Mais le monde évoluant, on veut à ce que nous puissions aussi faire évoluer le Njobi dans un sens positif, afin qu'on puisse s'asseoir. Mais par exemple, comment on peut aller mettre le foyer ici, si on n'a pas de forêt? Est-ce qu'on ne peut pas construire une maison, mettre le foyer comme un temple? Est-ce que le Njobi est obligatoirement pour que quelqu'un adhère au Njobi, il faut seulement la forêt? Mais c'est des questions que nous devrions s'asseoir, voir comment est-ce qu'on peut, gérer des questions de telle ampleur. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. La question que je poserai, c'est est-ce que dans votre démarche, que ce soit à Kélé, que ce soit à Zanaga, que ce soit en fait au Gabon, est-ce qu'il y a des gens qui épousent votre vision? Beaucoup même.
C'est parce que le débat a eu lieu suite à quelques incidents. Enfin, je ne parle pas d'incidents, puisque c'est le face à face ici, c'est tous les jours. Voilà. Le Ndjobi a beaucoup de thèmes qu'on peut développer sans pourtant toucher au sacré. Il faut que les gens le sachent. J'ai parlé du Ndjobi aujourd'hui plus de 10 ans. Depuis la radio jusqu'ici, le mission Studio 210 est né en 2015 et jusqu'à aujourd'hui. Quand Maître Rama arrive, je lui dis, bon, je te laisse le temps de parler du Ndjobi, moi je vais m'occuper de ma magie et d'autres choses. Et c'est comme ça qu'il n'y a jamais eu de problème. Si jamais ils n'avaient pas mal parlé de moi, s'ils ne m'avaient pas contredit sur ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas pu démontrer, on n'allait jamais faire un débat. Vous avez déjà vu un face-à-face sur le Ndjobi ici? Non. Mais c'est parce qu'ils m'avaient promis. On se souvient aussi que... En fait, c'est assez compliqué ces histoires de Ndjobi parce que à l'époque, Maître Rama et David Tolo et Refocus étaient en opposition. Vous, vous étiez avec David. Aujourd'hui, les David, ils ne sont plus avec vous. En fait, c'est un labyrinthe. C'est cette désorganisation-là, ce désarroi, cet amalgame. Le problème, c'est quoi? Le problème est né entre eux. Je ne suis pas avec eux là-bas. Je ne suis pas dans leur association. Ils ont des associations, hein? Association des Ndjobi du Congo. Avec, l'autre aussi, association des Ndjobi. L'autre a créé aussi son association. Ah, moi, je suis neutre. D'accord. Je suis neutre, moi, c'est Maître Waka. Moi, au contraire, je suis leur arbitre. Quand ils ont des problèmes là-bas, ils viennent chez moi à la maison. C'est moi qui règle leurs problèmes. Je suis leur patriarche ici. Quand Maître Rama, que j'aime beaucoup, mon très cher frère, et qui sont eu des problèmes, c'est chez moi qu'ils ont réglé. Les David, les étoiles, c'est chez moi qu'ils ont réglé leurs problèmes. Ils viennent régler leurs problèmes. Mais juste parce qu'il y a eu un petit couac, bon, ça c'est fini. Ça c'est fini. On cherche à ce que. Comment voir, comment faire pour améliorer le Ndjobi? D'accord. Hein? Comment faire pour améliorer le Ndjobi, pour lui rendre beaucoup plus accessible aux gens. Et plus utile. Et c'est utile. Moi, aujourd'hui, j'ai créé des savons du Ndjobi. Je les ai exposés ici. Mais tous ceux qui font du bruit sur le Ndjobi, là. Ils s'en servent. Celui qui a Madingun Kai, il va bénéficier de quoi de Ndjobi? Mais moi, au moins, les gens peur d'intégrer le Ndjobi. Parce que le Ndjobi a beaucoup d'interdits. Beaucoup de principes et de principes et autres, voilà. Mais au moins, quelqu'un qui aime le Ndjobi peut se dire, ah, j'achète le savon du Ndjobi là. Mais c'est un savon que j'ai pris les arbres de la forêt que le Ndjobi utilise, je les ai écrasés, j'ai mélangé avec la pâte. Moi, en tant que tradit praticien, j'ai fait des huiles, j'ai fait des savons, des désenvoûtements du Ndjobi. Mais ça va contribuer, c'est ma contribution aux Congolais dans le cadre du Ndjobi. Mais lorsqu'on passe au mot du Ndjobi et qu'on ne fait pas bénéficier aux Congolais ce dont ils ont besoin, à ce moment-là, votre parole est vaine et de nul aveu. Pas seulement aux Congolais, aux Gabonais aussi. Aux Gabonais, mais à l'humanité. C'est partout. Merci beaucoup, Maître Waka. Nous avons parlé donc du Ndjobi selon Maître Waka. Et donc, il est dans une posture d'évolution, de faire évoluer le Ndjobi. Lui-même parlait d'amélioration du Ndjobi. Et donc, il propose certaines réformes pour revigorer le Ndjobi. On se retrouve à une prochaine occasion, le temps que Maître Rama nous rappelle, Maître Waka nous rappelle son numéro de téléphone. Merci beaucoup. Je réponds au 04, au 06, 874 73 33, 06, 874 73 33. Et je crois qu'en juillet, on sera au village. J'ai beaucoup d'enfants et que je vais aller faire initier là-bas. Et je crois que ce sera l'occasion aussi pour faire avancer le débat. Mais déjà, depuis Brazzaville, on peut déjà commencer sans toucher au sacré. D'accord. C'est interdit. On amènera nos caméras là-bas. Voilà, Studio 210 continue. Le pasteur Ange, bienvenue à Luna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Pasteur, bonjour. Comment est-ce que vous allez ce matin? Alors, comment vaincre le monde des ténèbres? C'est votre sujet ce matin. Lorsque vous parlez du monde des ténèbres, à quoi faites-vous allusion, pasteur? Parce que c'est
lorsqu'on parle du monde des ténèbres, nous voyons également ses œuvres. Et lorsqu'on parle du monde des ténèbres, Matthieu 22, verset 13, nous dit que c'est également ce milieu où les serviteurs inutiles et faux serviteurs seront jetés. Et lorsqu'on parle du monde des ténèbres, c'est les envoûtements, c'est le blocage, la sorcellerie, et ainsi de suite. Et Job 30, verset 26, nous dit que le monde des ténèbres, c'est aussi le malheur. Voilà du manège sainte, ce qu'on peut dire concernant ce monde. S'il existe le monde des ténèbres, donc il existe aussi un monde de lumière. À quoi ressemble le monde de lumière? Ok. Lorsque le monde de lumière, quand on parle de monde de lumière, nous voyons, c'est Dieu. Dieu et ses esprits. Quand je parle de Dieu, je vois les anges, et je vois ses archanges, son gouvernement. Donc, le monde de ténèbres, c'est l'ennemi et son équipe. Le monde de la lumière, c'est Dieu et son équipe. D'une manière particulière. Alors, comment se manifeste la guerre entre ces deux mondes? Bon, comment se manifeste la guerre entre... Alors, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, le 11e verset. Jésus dit à ses disciples, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, quand Jésus dit, je vous envoie au milieu, vous êtes comme des brebis au milieu des loups, et Jésus parle de la prudence. Soyez prudents, comme les serpents. Donc, Jésus sait, quand il dit, je vous envoie au milieu des loups, et le loup, c'est tout un esprit. Le loup, c'est un animal très féroce. Ça veut dire que pour cette mission, on peut trouver de la mort. Nous sommes ses disciples aujourd'hui. Pour cette mission, on peut se retrouver en prison. Pour cette mission, on peut être empoisonné. Pour cette mission. Alors, écoute ce que nous dit Jean 10, verset 12, quand il qualifie un loup. On nous dit que c'est un ravisseur. Donc, madame la journaliste, vous êtes née avec une étoile. Quand le loup arrive, le loup ravit votre étoile et vous passez votre vie sur la terre aérée. Et quand on parle de loup, Jean 10, 12 nous parle, il est là pour faire disperser ce qui est pour toi, ce qui est pour... Et on fait disperser, il fait disperser ça et vous n'allez plus rien retrouver. Écoute ce que nous dit également les apôtres, acte 20, verset 29, et les apôtres qualifient le loup comme les animaux cruels. Quand quelqu'un est cruel, c'est quelqu'un qui vous fait souffrir. Quand on parle de quelqu'un qui est cruel, c'est quelqu'un qui tue sans pitié. Donc, déjà, c'est une guerre, c'est une rivalité, c'est une lutte. Donc, si quelqu'un vous dit que le diable n'existe pas, voilà le Seigneur qui nous envoie. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Écoute ce qu'il dit encore, c'est la Bible qui nous le dit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, verset 29. Il dit, quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans avoir l'attaché? Nous sommes, la Bible nous dit que ce monde, il y a un prince de ce monde. Donc, sur cette terre des humains, nous sommes de passage. Le mariage, c'est ce monde. Avoir des voitures de ce monde. Donc, tu ne peux pas te marier sans lier l'esprit de célibataire, de célibat. Tu ne peux pas être élevé sans lier l'esprit de la pauvreté. Mais comment on le lit? Donc, c'est une guerre. Elle est mentionnée en live, elle est mentionnée en noir et blanc. Et c'est pour là que j'en profite de dire aux chrétiens, ne soyons pas distraits. Pasteur Aluna, est-ce qu'il y a une différence entre un chrétien et un croyant? Ça demande beaucoup des explications. Un croyant, on peut le dire, un croyant croit en tout. Il est comme polyvalent. Il est comme polyvalent, c'est-à-dire, il est chrétien, comme on vient de l'écouter, il est aussi nzobis.
il croit à ses ancêtres. Comme Maître Waka. Non, je ne parle pas de nom des gens. Il est croyant, il croit à sa coutume. Et quand il croit à ses gris-gris, il va à l'église, mais il y a la photo du grand-père qui est sous son lit. Voilà. Mais maintenant, le chrétien, et quand on parle d'un chrétien, ça, c'est, il a un seul chemin à suivre, c'est Christ et le véritable Christ. Voilà d'une manière suffisante. Est-ce que le nom chrétien peut résister au monde des ténèbres? Oui, le nom chrétien ou bien le chrétien. Le nom chrétien d'abord. Le nom chrétien. Oui. Résister. Écoutez, madame la journaliste, nous sommes là à la télé. Lorsqu'on éteint la lumière, c'est l'obscurité qui prend la relève. Bien Donc sûr. Quand on est non chrétien, sache-le qu'on est dans les ténèbres. Comment résister? Tu es ténèbres, comment tu peux résister? Donc le non chrétien, on est déjà dans les ténèbres. On peut être non chrétien et on a la foi. En ce moment-là, est-ce qu'on peut résister aux ténèbres? Bon, impossible. Parce que vous êtes non chrétien. Quand je suis chrétien, la première des choses, on est chrétien parce que tu as reçu. Tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en recevant Christ, et ce Christ-là est en toi. Et donc, être non-chrétien, tu as la foi. Ta foi est basée sur quoi? Ta foi est basée sur qui? Ça flotte. Donc, quand vous n'êtes pas chrétien, vous avez votre foi, bon, ça passe pas. J'ai une question qui me vient à l'esprit. En tant que chrétien, comment faire pour être porteur de lumière? Parce que je ne pense pas que tous les chrétiens aient la même foi en Christ. À ce moment-là, comment faire pour être porteur de lumière en tant que chrétien? Bon, comment faire pour être porteur de lumière en tant que chrétien? D'abord, Jésus-Christ, il est la lumière. Et quand il parle des chrétiens, il dit que vous êtes la lumière du monde. Donc, tout chrétien digne de ce nom a la lumière. Il est le sel de la terre. Alors, comment faire? Peut-être me demander comment maintenir cette lumière. Et cette lumière, ça va à votre façon de se comporter. Parce que quand la Bible nous dit, nous allons dans la parole de Dieu, la Bible qui nous dit, par exemple, la Bible attire notre attention dans Éphésiens 4, verset 30, 1 Thessaloniciens 5, 19, dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Donc, lorsque la Bible nous parle ici, donc par rapport à notre comportement, on peut attrister le Saint-Esprit. Et par rapport à notre comportement, on peut éteindre le feu de cet esprit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ta lumière pour répondre à ta question. Maintenant, lorsque votre Saint-Esprit, vous le laissez, vous vous laissez diriger par lui, vous vous laissez coordonner par lui, vous faites sa volonté. Madame la journaliste, votre lumière, c'est une lumière effervescente. Elle ne sera jamais éteinte et qu'aucune œuvre de ténèbres ne pourra même pas se rapprocher de vous. Pour chuter avec vous, Pasteur Aluna, quel conseil donnez-vous aux personnes qui n'ont pas la stabilité dans la foi? Comme on dit un peu en lingala, le kolomo qu'on a kati, le kolomo qu'on a libanda. Ok, le kolomo qu'on a kati, le kolomo qu'on a libanda. Ce sera votre mot de fin peut-être aussi. Alors oui, je vais leur dire ceci. Comment fonctionne le monde des ténèbres? Le monde des ténèbres, sachez-le, le monde des ténèbres fonctionne par rapport à leurs œuvres. Et quand on parle des œuvres de ténèbres, c'est l'ivrognerie, la débauche sexuelle, l'orgueil. Quand on parle de la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge, sans ces œuvres, les ténèbres ne pourront pas fonctionner. Donc, un conseil que je vous donne, ne touchez pas à ce qui est des œuvres de ténèbres. Parce que les œuvres de ténèbres ressemblent à leurs appâts. Puisque sans appâts, on ne pourrait pas parler de poisson salé sur ce monde. Parce que c'est un poisson qui vit dans l'eau. Mm-hmm. Si le poisson salé se retrouve sur la terre, nous le consommons parce qu'il a mangé l'appât et il s'est retrouvé hors de ça. Donc, laissons les œuvres de ténèbres. Parce que lorsque nous touchons aux œuvres de ténèbres, toi qui es chrétien, hein, comme je viens de le dire, le Saint-Esprit, tu vas éteindre son feu. Or, son feu, c'est la puissance. Mm-hmm. Son feu, c'est l'onction. Et ça nous permet de marcher sur cette terre comme les surnaturels. Mais lorsque tu touches aux œuvres de Dieu, tu es dans la débauche sexuelle, l'ivoirie, la magie, tout,
et vous êtes... L'ennemi vous manipule, inconsciemment même. Donc, c'est un élément très important que je vais dire aux bien-aimés. Alors, donc, laissons de loin les œuvres de ténèbres. Christ nous a donné tous les dons. Les 9 dons sont avec nous. Christ a béni l'Église. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque madame la journaliste a un problème, le prophète est là. A un problème, l'Église a un don de guérison. L'Église a un don de miracle. Pourquoi abandonner ce que Christ nous a donné et aller chercher le feu étranger? Donc, c'est un conseil que je donne aux bien-aimés. Alors, avant de clôturer, j'aimerais dire aux bien-aimés, celui qui est en train de m'écouter, ne vends pas ton âme au diable. Et ce que je te demande, c'est de recevoir Christ ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui ne te donne pas pourra vivre, parce que nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour le bon. Mais l'ennemi te donne par la main droite et va retirer par la main gauche. Alors reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et Christ te fera du bien. Il va te conduire vers une éternité qui est la meilleure de toutes les éternités. Alors fais cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te reçois ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les maîtres de ce monde que j'ai eu à servir consciemment et inconsciemment au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que la gloire de notre Seigneur vous bénisse. Je suis au 00242 06 663 71 52. À la prochaine. Merci. Merci, pasteur Aluna, d'être passé sur le plateau de questions-réponses. À dimanche prochain. Place à présent à l'apôtre Richard Phila Sainte-Eude de l'église. L'apôtre Richard Phila Sainte-Eude. Bonjour, apôtre. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Dieu fait grâce. Alors, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est le thème que nous allons aborder avec vous ce matin. Mais le dimanche dernier, vous avez évoqué le thème sur la loi de la relève que je vous propose de suivre tout de suite. Peut-on parler de la relève dans la divinité? Ce mystère insondable a toujours dépassé l'entendement de l'homme. L'apôtre Richard Phila Sainte-Eude, lui, s'est appuyé sur la définition ontologique et opérationnelle de Dieu afin d'expliquer cette loi. Dieu dans sa personne, il est unique et il est un. Mais quand il entre dans sa mission salvatrice pour sauver l'homme, il se dédouble. Il devient lui-même son propre fils. Il prend corps humainement sur la terre. En ce moment, il y a un relais. Selon lui, la loi de la relève ne se limite pas qu'à Dieu. Même dans notre fonctionnement humain, psychologiquement, il y a la loi de la relève. Nous fonctionnons de façon tripartite. Donc, il y a la pensée, sinon il y a même l'esprit. Après la pensée, le mental relaie et le corps exécute. Donc, ça montre qu'il y a la partie mentale, spirituelle, il y a la partie physique. Ça obéit à la même loi. Donc, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que la relève dans la divinité sera toujours controversée. Car dans Jean 10, 30, Jésus déclare, je cite, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors que le livre de Matthieu 27, 46 dit qu'il cria « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc Jésus s'était-il abandonné lui-même? La question reste posée. Voilà, chers téléspectateurs, pour toutes vos réactions, appelez au 06 706 32 32. Apôtre, je reviens à vous. Je disais tantôt, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est une citation d'Henri Estienne dans Les Prémices. Apportez-nous un peu plus d'éclairage pour mieux comprendre cet adage en tant qu'homme d'Église. Oui, merci. Bon, déjà que une citation peut être l'objet de plusieurs interpellations au-delà de l'interprétation initiale ou de la pensée initiale de son auteur.
tout comme une œuvre d'art, un tableau ou une sculpture peut s'exposer à plusieurs interprétations. Donc je peux me permettre de faire dire à la Bible ce qu'une citation humaine peut vouloir signifier, tout comme l'apôtre Paul s'est permis de citer un poète Aratus à son époque, qui a dit, vous êtes, si vous êtes de la race de Dieu, voilà. Aratus déclarait à cette époque que vous êtes de la race de Dieu. Et Paul a rebondi sur ça face aux stoïciens, aux épicuriens, aux philosophes de l'époque. Donc, que cela ne choque personne qu'un homme de Dieu cite un poète ou un philosophe. Ce n'est pas moins biblique. Donc, je me permettrai comme ça de citer ou de décrypter à ma manière, selon que l'Esprit me le donne, cette citation, si jeunesse savait. Ça veut dire qu'il y a des choses que la jeunesse devrait savoir. Les prophètes aussi l'ont dit. Dieu a dit à Isaïe, tout comme à Jérémie, d'une certaine manière, si tu connaissais les voies de Dieu, si tu étais attentif à la voix de Dieu. Donc, Dieu nous appelle très tôt. Il y a des choses que Dieu a prévues, a promises pour que nous les réalisions très tôt. Comme dans Actes, on parle de David, avant de mourir, il accomplit les desseins de Dieu. Il était jeune. Il y a des choses qu'on fait, on doit savoir en tant que jeune. Tenez, David a combattu et a vaincu Goliath, a libéré son peuple avec la force juvénile et l'onction qu'il avait. Il a accompli son rôle pendant qu'il était jeune. Il n'a pas employé la force de sa jeunesse à détruire les autres, mais avec sa force, il avait le patriotisme, il avait l'amour de sa nation, il pouvait combattre pour la nation. Mais quand il... Et puis, ça lui a valu très tôt la royauté, tant mieux. Mais quand il fut vieux, il a changé de rôle, comme dans le cinéma, on ne joue pas le même rôle à tout âge. Donc, quand il devient vieux, nous voyons David en train de préparer la relève de Salomon, son fils. David a tout fait, a initié Salomon dans la divinité, dans la royauté. Il a préparé, il s'est même arrangé à ce que Salomon ait de quoi construire la maison de Dieu que lui ne pouvait plus construire parce que ça ne relevait plus de sa dispensation et de son temps ni de sa force. Et il a préparé Salomon. Il a changé de rôle. Donc, étant jeune, il a combattu. Étant vieux, il a préparé celui qui devrait prendre la relève. Il a su ce qu'il devrait faire dès qu'il était jeune. Dieu l'a appelé très jeune. Quand on est jeune, on est l'objet de l'appel de Dieu, de la mission de Dieu, de la vocation. Il est important que les jeunes sachent quel est leur rôle à jouer à la maison, à l'église, dans la société et partout. Et ceux, ils sont précédés par les devanciers, donc les anciens, qui n'ont plus peut-être la même force, mais ils ont l'expérience parce qu'ils ont échoué pour certains, d'autres ont réussi, ils ont des clés. Même ceux qui ont échoué, ils peuvent dire pourquoi et comment ils ont échoué pour épargner, de préparer la jeunesse à ne pas échouer ou à réussir là où ils ont reçu. Donc, en ce moment-là, la jeunesse doit savoir, au travers de ceux qui ont vécu avant, ceux qui ont l'expérience. Donc, l'espérance des jeunes s'attache à l'expérience des vieux. Comment cette jeunesse, moi je dirais que la jeunesse d'aujourd'hui peut être considérée comme une éponge. Cette jeunesse croit à tout ce qu'on leur dit. Comment cette jeunesse peut-elle saisir les opportunités de la vie et de toute autre chose? Bon, Dans l'Église. Bon, déjà dans l'Église, il faut avoir l'humilité, le désir d'apprendre. Okay? Même
Jésus ne faisait pas des miracles sur ceux qui ne le désiraient pas. Il faut désirer, apprendre, comprendre, savoir. Donc il faut avoir la soif, il faut avoir la curiosité et l'humilité de demander aux aînés. Cela est universel, non seulement à l'église, mais dans une entreprise, malgré vos diplômes, vous pouvez recourir à ceux qui ont pris place avant vous. Ils peuvent être moins gradés, mais vous êtes plus diplômés. Mais quand vous arrivez quelque part en train de vous installer, il y a des gens qui ont l'expérience. Ils ont l'expérience du terrain, mais vous avez encore des diplômes. À tous les niveaux, il faut de l'humilité pour apprendre, parce que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il faut l'humilité pour apprendre, s'exposer à l'expérience et à la connaissance des autres. C'est parmi les premiers prérequis pour avoir l'expérience et le succès que les autres ont eu avant nous. Chers téléspectateurs, je rappelle que pour toutes vos réactions, appelez au 06 706 32 32. Apôtre Richard Fila-Sainte-Eude, parlons d'un autre auteur, la personne d'Amadou Empatiba, qui disait dans Le Destin de Vengrin, « Lorsque un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. » Vous êtes homme de Dieu. Quel regard apportez-vous aussi à cette citation? Oui, très bonne citation que je citerai à mon tour volontiers. Il ne faut pas laisser les vieillards, les dévanciers, partir avec tout ce qu'ils ont comme expérience, comme savoir-faire, savoir-être, etc. Il faut encore une fois de l'humilité. C'est dommage qu'on laisse certains vieux, certains dévanciers, certains hommes expérimentés s'en aller avec tout leur savoir. Et à eux de se disposer à transmettre, d'assumer leurs responsabilités, leur rôle à cet âge, à cette étape finale de leur vie. Ils doivent être des mentors, devenir des formateurs après avoir été disciples, apprentis. Ils doivent changer de rôle. Apôtre, nous allons volontiers prendre cet appel. Transmettre, sinon ça sera dommage. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, je voulais parler au pasteur qui est en ligne. Oui, il vous suit. Bonjour. Bonjour, mon frère. Allô. Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur. L'apôtre Fila vous écoute. Oui, mais la Bible dit que c'est pas l'âge qui procure la sagesse, mais comment un homme de Dieu peut soutenir la citation en question? Très, très bonne question. Si nous voulons parler du point de vue spirituel, effectivement, la maturité spirituelle ne dépend pas de l'âge naturel. Je viens de prendre un exemple banal ou social. Dans une entreprise, quelqu'un peut être moins gradé, moins qualifié, mais plus expérimenté. Donc, il est jeune dans le domaine, mais vous êtes plus qualifié, vous avez étudié longtemps, mais il faut juste avoir l'humilité de reconnaître l'expérience, les atouts, le potentiel des autres. C'est de la même façon dans le ministère. Paul a responsabilisé Timothée, lui a donné des instructions envers les vieillards, envers les jeunes, envers les sœurs, envers les frères, envers ceux qui travaillent. Donc, dans le domaine spirituel, cela n'exclut pas que quelqu'un qui soit jeune spirituellement, nous tous nous dirigeons des personnes plus âgées et ces personnes reconnaissent notre autorité spirituelle, la sagesse que Dieu nous donne pour gouverner sur eux, pour les diriger. Nous partons sur une base naturelle et universelle, mais n'empêche que
quelqu'un qui est moins âgé, Dieu l'a fait dans la Bible. Les gens qu'il a choisis souvent, il les appelait très jeunes. David a dirigé très jeune. Salomon, tout comme Jérémie et les autres, ils avaient toujours des personnes plus âgées. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de diriger, de coordonner. Donc, il faut juste avoir de bonnes dispositions. Si vous êtes jeune et que Dieu vous élève, ça ne vous empêche pas de respecter l'âge même naturel des anciens. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune, vous avez l'onction, vous avez la connaissance, les diplômes même théologiques, que vous allez vous mettre sans éthique à parler de façon irrespectueuse aux mères, aux pères, aux plus âgés qui sont là en âge. Donc il y a une relativité. Merci pour votre question. Apôtre, comment imaginez-vous la synergie qui doit exister entre la jeunesse et la vieillesse? Merci. Il y a dans le cycle biotique, dans le cycle de la vie, dans le cycle de la vie, il y a cette même loi universelle. Il faut, encore une fois, comme le prophète a dit dans le tout dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, Malachi, que dans ce dernier temps, Dieu amènera par le prophète qu'il a annoncé le cœur des fils vers les pères et les cœurs des pères vers le fils. Donc il y a une interaction générationnelle, il y a une prise de responsabilité mutuelle. Donc il y a des prophètes comme Agé et Zacharie. Ils ont prophétisé la même période dans la même génération. Donc, on devrait apprécier cette jonction, cette interaction générationnelle ou cette action intergénérationnelle dans une même société, dans une même entreprise, dans une même église, dans un même ministère, la contribution des jeunes par leur force, leur disponibilité, leur ferveur et l'action de surveillance, de coaching, de formation, justement, des plus anciens, des anciens. Donc, dans ce cycle biotique, pour la conservation de la nature, même dans la forêt, il y a des plantes plus jeunes, il y a des arbres plus jeunes, il y en a de plus vieux. Dans toute la nature, il y a cette loi de la relève. Dans le ministère, quand on parle de l'évangélisation, on évangélise, on doit former les disciples, mais dans la vision de Dieu, c'est en vue du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, on gagne les âmes à Christ, on les délivre, on leur annonce Jésus vivant. S'ils sont malades, possédés, on prie, on chasse les démons, quelqu'un commence à prospérer, l'intelligence renouvelée, réinsérée dans la société, remise à sa famille, d'accord, mais après, on poursuit la formation, cette personne délivrée doit devenir disciple. Du disciple, à son tour, il doit devenir maître, un mentor, et il commence à grandir jusqu'à devenir à son tour père. Bonjour. Et commencer à s'occuper des autres. Donc c'est un cycle bonjour. Biotique. Vous êtes en direct de Studio 210, bonjour. Bonjour. Oui, l'apôtre Phila vous écoute. Vous allez poser la question à l'apôtre. Quelle est la différence? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Vous êtes en direct. Allô? Allô? Ben, voilà. Je me permets de poursuivre. Quand oui, je parle de cette loi biotique de la relève, il faut faire très attention. Parce que même dans le monde des ténèbres, il y a un protocole d'initiation partout. Il y a des enfants qui sont pré-initiés depuis le ventre de leur mère, depuis l'enfance. Les sorciers, les magiciens, ils ont des âges, comme on vient de suivre, où ils peuvent initier activement. Mais ils le préparent déjà. Ils choisissent, ils appellent, ils préparent depuis le bas âge. Le monde des ténèbres obéit à cette loi de la relève. Ils enrôlent les jeunes, même les tout petits enfants.
On voit dans le monde entier comment on commence à préparer les enfants par les dessins animés. C'est la relève du satanisme, c'est la relève de la débauche. Nous sommes à la fin des temps. Allô? Et le diable utilise beaucoup la jeunesse par la télévision, par des loges, par des initiations. Oui, la porte, satanique, vous écoute. Diabolique et immorale. En tout cas, on a du mal à vous écouter. Alors, apôtre, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Le temps nous est imparti. Quel conseil donnerez-vous à la jeunesse ce matin? Elle doit savoir ce qu'elle doit savoir, tout ce qu'elle devrait savoir, autant dans le ministère, dans l'Église, autant dans la société, partout. Il y a des choses que les jeunes devraient savoir, savoir aussi ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas chercher à savoir dans le monde des ténèbres. N'allez pas savoir, n'allez pas vous initier dans la magie, dans la sorcellerie, dans la débauche, dans la pédophilie, dans l'homosexualité, parce que Satan, dans cette loi de la relève, cherche aussi la jeunesse. Il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de pratiquer, de savoir et de vous laisser initier. Initiez-vous dans la formation socio-économique. Il y a plusieurs formations. La clé de la relève, c'est la formation. Dans le ministère, partout, la formation théologique, la formation pratique, dans la société, nous sommes en train de travailler à cet effet pour équiper les jeunes dans tous les domaines, dans le ministère, dans la société. Sachez de bonnes choses. N'allez pas livrer votre intelligence, votre connaissance à aller savoir des choses diaboliques, des choses immorales. Et quant aux vieux, aux dévanciers, aux plus anciens, aux pasteurs, aux hommes politiques, aux parents, que chaque génération, chaque personne assume le rôle que son âge, sa position de leader requiert, celui de la formation, de la préparation. Dieu l'a fait dans la Bible. Nous avons cité, pour terminer, David. Il était jeune, il a été initié, formé, préparé par Samuel. À son tour, il est devenu vieux, il a préparé David. Paul a fait la même chose, les prophètes ont fait les mêmes choses. Nous, nous sommes en train de faire la même chose, nous sommes en train de préparer et investir dans la jeunesse. J'ai fini par attirer l'attention de tous. Ne vous initiez pas aux œuvres de ténèbres, parce que Jésus revient bientôt. Il jugera ce monde. Fouillez l'impudicité, fouillez la débauche, la magie, la sorcellerie et tout ce que vous écoutez même ici sur ce plateau. Ne vous laissez pas avoir par ça. Dieu va juger tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, l'immoralité et toutes ces choses. Donnez votre vie à Jésus. La repentance est la clé. Il vous pardonnera. N'hésitez pas de brûler vos fétiches. Dans la Bible, on brûlait les fétiches, les livres de magie, et les gens donnaient leur vie à Jésus. Ils étaient délivrés. Si le Fils ne vous affranchit, vous ne serez jamais libre. C'est Jésus qui délivre. Soyez bénis chez vous. À très bientôt. Disposé à vous répondre au 06 903 51 14. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre, d'être passé pour toutes ces précisions et ces enseignements. Je vous en prie. Voilà, peuple du Studio 210, c'était question-réponse et c'est la fin. Studio 210 continue. La guérison par le magnétisme avec imposition des mains est une des pratiques de l'ordre des Aïniens dont le guide spirituel est Tiburce Silver Ndebokolo. Davantage de précisions de cette question, de cette pratique, nous seront données par Théophile Babatissa, représentant de cet ordre depuis 2021 à Makabandjilou dans le 9e arrondissement de Brazzaville d'Iri. Bonjour, monsieur Théophile. Bonjour. Comment allez-vous? Non, ça va et vous? D'accord. Guérir par le magnétisme, comment est-ce possible et qui est habilité
à pratiquer cette méthode dans l'ODA? Dans l'ODA, tout le monde peut pratiquer le magnétisme, à condition que la personne soit préparée avant. C'est-à-dire que la personne doit subir d'abord une purification et la personne porte le médium. Et en ce moment-là, la personne peut pratiquer le magnétisme. D'accord. Alors, par le magnétisme, vous guérissez seulement les maladies d'ordre mystique, spirituel ou alors tout type de maladie? Tout type de maladie. Okay. Tout type de maladie. Mais il y a des maladies dites naturelles qui prennent un peu du temps avec le magnétisme. Okay. Donc, ce qui va vite par le magnétisme, c'est les maladies dites mystiques. Mmh. Voilà. Parce que vous vous basez sur l'initiation qui se passe très, très facilement? Oui. Ah oui. D'accord. Concernant les étapes de guérison dans l'ODA, vous avez la résolution des problèmes, vous coupez des liens, des familles, et puis il y a le festin. Oui. Comment ça s'applique? Ça prend combien de temps tout ça? Bon, la résolution des problèmes, ça nous prend d'abord 10 jours. 10 jours. Okay. 10 jours d'affilée. Et si le cas dont la maladie n'est pas encore, la personne ne se sent pas encore bien, on propose à la personne de passer aux séparations de lieux. Ou encore, la personne vient, il se dit, moi, je vais faire la résolution du problème, couper les liens. Et là, on le fait directement dans les 10 jours. Donc, premier jour, résolution du problème, séparation des liens, couper des liens, tout là, on commence le premier jour jusqu'à 10 jours. Au 10e jour, lorsque le malade dit que moi, je ne me sens pas encore trop bien, on va dire que, bon, on va encore poursuivre le traitement parce que le traitement varie selon les cas. Le traitement varie selon les cas. Donc, il y a des traitements qui vont à un mois, deux mois, jusqu'à voir une année. Et lorsque on constate que la personne est encore malade, là, en ce moment-là, on va proposer à la personne de passer au festin. D'accord. Et le festin, c'est déjà quoi? Le festin, c'est une cérémonie qui organise l'ordre des aînés à celui qui a déjà fait sa résolution de problème. D'accord. Sa résolution de problème. Et la personne sent qu'il est toujours malade, malgré tout. Et l'ordre des aînés propose à la personne d'organiser un festin. Okay. Donc, Est-ce que le festin ici, c'est une fête, c'est une cérémonie? Ça se passe comment? C'est une initiation à la base? C'est une fête. Okay. C'est une fête. Mais il y a le côté spirituel, donc une fête codifiée spirituellement. Donc ça nécessite de créer beaucoup des énergies. D'accord. Et ces énergies sont au profit de celui qui organise son festin. D'accord. Mm. Par le magnétisme, tout être humain devrait avoir la lumière bleue qui couvre sa paume de main. Comment éclairer sa main? Comment éclairer sa main? Oui. Ah, bon, il suffit seulement d'intégrer l'ordre des aînés. Okay. Être membre, initié de l'ordre. Lorsque vous arrivez dans l'ordre des aînés, nous on dit dans l'ordre des aînés que le corps de l'homme, c'est une fontaine d'énergie qui vibre à une basse fréquence. Okay. Donc il suffit seulement d'éveiller votre magnétisme. Donc dans l'ordre des aînés, on va vous apprendre comment éveiller votre pouvoir qui dort en vous. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, vous faites aussi appel à d'autres pouvoirs? D'autres pouvoirs mystiques, le pouvoir des ancêtres, par exemple. D'autres pouvoirs mystiques, oui. C'est trop dit. Mm. Mais nous pratiquons le magnétisme avec les séances de prière. Okay. Nous pratiquons le magnétisme et les séances de prière. D'accord, monsieur Théophile. Le 17 mai dernier, c'était la célébration de la fête des fleurs, une tradition particulière à l'ordre des Aéniens. Ce 210 y était, reportage de Désiré Laure. Ce lavement des pieds, un moyen qui permet aux membres de l'ordre des Aéniens d'être purs afin de se rendre dans le loum et de soumettre leur peau de fleurs entre les mains de Dieu en ce jour où ils célèbrent la bénédiction des fleurs, autrement appelée fête des fleurs. La fête des fleurs consiste juste que les gens doivent charger des pots de fleurs munis de 10 000 francs CFA, 500 francs pièces métalliques et on met dans l'enveloppe avec un pot de fleurs, on fait des prières avec, il ramène à la maison. Alors, toutefois, quand il a l'argent, il le pose là-bas avant d'engager les dépenses. Il fait ses prières pour qu'il ne se retrouve pas dans une difficulté que l'argent, j'avais gagné l'argent, c'est parti sans rien faire. Chaque aîné doit avoir son pot de fleurs à la maison. Vous les faites de prière, ça vous maintient. Une occasion donnée à l'auditoire et au président fondateur de l'Ordre des Aïniens d'échanger. Je reviens du Tchad depuis deux semaines.
c'est par le biais de l'ODA. Je suis venu ici, vous me voyez, c'est parce que le message de l'ordre des aînés m'a touché. Et à 10 ans, j'ai dit, il faut que je vienne toucher la chose du doigt. Je compte à vous remercier, c'est par le biais de la studio des 110 que j'ai pu découvrir ce qu'on appelle l'initiation. Toute somme, la fête des fleurs est célébrée deux fois par an, le 17 mai et le 17 novembre. Monsieur Théophile Babatissa, y a-t-il aussi eu guérison par magnétisme ce jour-là? Guérison par magnétisme? Oui, le jour où vous avez célébré la fête des fleurs. Non, il n'y avait pas eu guérison par magnétisme. On avait des séances de bénédiction, séances de prière. Donc, il y a des prières qu'on lit, des bénédictions. Et on avait fait les séances. Alors, vous insistez déjà sur les prières. Ça se passe comment, vos prières? Les prières. Bon, ce sont des prières qui sont répétées. Okay. Plusieurs fois. On les répète au moins 15, 18 fois, 36 fois. Hey. D'accord. Alors, au cas où, par exemple, vous vous retrouvez, si les gens arrivaient pour subir une guérison, pour se faire guérir auprès de l'ODA, et que les malades se retrouvent en surplus par rapport au nombre de maîtres spirituels. Que faites-vous à ce moment-là? Non, par rapport aux maîtres spirituels, dans un loom, on n'a qu'un seul maître. Donc, chez moi, je suis le seul maître. Donc, autour de moi, j'ai mes initiés. Donc, j'ai mes élèves que je travaille avec eux. Donc, lorsqu'on a des malades, du surplus de malades, chacun a son tour. Chacun son tour. On prend l'autre, chacun son tour, donc on transmet la lumière, on fait les séances, on libère la personne, on remplace l'autre, on fait, on travaille, c'est comme ça. Merci, Monsieur Théophile. Comment faire pour vous joindre? Je suis au 06-444-8703, 06-444-8703, aussi au 05-602-0163, 05-602-0163. 01-63 sur mon WhatsApp aussi. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Studio 210, continue et suivez ce reportage. Ayant pour mission d'enseigner à l'homme noir afin de le réconcilier avec ses ancêtres, l'Ordre des Aïniens met à la disposition de ses membres et même à des non-adhérents des médaillons de protection contre le mauvais œil. La prière nous sert pour couper les liens, mais la prière ne protège pas. Quand tu adhères l'Ordre des Aïniens, on t'apprend comment te protéger avec l'énergie magnétique du médaillon. Alors, donc, tout membre de l'ordre des Aïniens doit se munir de ce médaillon-là. Parce que c'est ça qui te fait comme des béquilles spirituelles. Tout homme de bonne volonté qui pense qu'il peut avoir le médaillon, il a le droit. Le médaillon, c'est un bouclier de protection. C'est un outil de travail. Ça maintient le niveau d'évolution de l'initié qui les porte. Rappelons-le, l'Ordre des Aïniens a été créé le 17 novembre 2008 avec, entre autres objectifs, initier les Africains dans le domaine de la protection. Le serpent, c'est le beau et c'est à la fois la ruse et le danger, les vices et les vertus. Le serpent, c'est un lot de légendes, mystères, anecdotes et symboles. En tout cas, ce reptile est omniprésent dans la quasi-totalité des traditions spirituelles, ésotériques, magiques, animistes et religieuses. Francis Nganga, fondateur de l'ordre gnostique universel, et Renaud Boris Mbota, serviteur d'Elohim, nous édifie justement dans ce face-à-face autour de la question, ce dimanche 26 mai. Et ce face-à-face est à inclure, sinon à inscrire, dans notre série Animaux Totems, Animaux Sacrés. Bonjour Francis Nganga. Bonjour Monsieur le journaliste. Bonjour Docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je me porte bien par la grâce. Vous n'avez pas rêvé de serpent ce matin? Oh non, pas du tout. Et de votre côté, Francis Nganga? Non, pas du tout. Alors, que représente le serpent pour vous en tant que gnostique? Le serpent, c'est un symbole qui... On a beaucoup parlé du serpent. On a beaucoup parlé de lui. Évidemment, il existe des animaux qui font partie des rayons de la création.
Et l'animal appelé le serpent est un animal très important qui, dans toutes les différentes traditions, s'est retrouvé là-dedans. Alors, pour donc les gnostiques, c'est que la tradition gnostique universelle, donc justement, enseigne cette sagesse serpentine qui a toujours été associée au feu et à la kundalini, à cette force qui monte à l'intérieur de nous pour déboucher les différentes vertèbres et nous faire propulser très loin dans la spiritualité. Alors, nous savons que dans ce culte de feu, le culte serpentin, et d'ailleurs toutes les civilisations ont été dites serpentines, que vous retrouvez, que vous alliez par exemple chez les catholiques, vous allez retrouver la représentation de Marie qui piétine un serpent. Nous allons retrouver cela également chez les salutistes, mais on va le retrouver également en Inde, en Asie, et un peu partout, où ils vont parler donc de cette force qui est en fait associée à toutes les manifestations supérieures de l'homme. Alors, donc, ce serpent, il est là, il a été également, même dans la Bible, on a parlé de ce serpent. Ce serpent, c'est celui de la Genèse qui tente Adam et Ève, mais c'est aussi ce serpent qui doit être élevé, que Moïse aussi a élevé dans le désert. C'est en fait son serpent qui a ce processus qu'il doit justement vivre à l'intérieur de lui-même pour essayer d'avancer en matière de spiritualité. Alors, c'est ce qui va se passer avec le serpent. C'est donc d'entrée de jeu ce que nous pourrons dire. Merci beaucoup. Je crois qu'en introduction, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Maintenant, s'il faudra parler du serpent, on retiendra d'abord que la lecture sur le serpent dépend d'abord de la civilisation, dépend d'une civilisation à une autre. Donc, elle varie d'une civilisation à une autre, elle varie d'une culture à une autre, elle varie aussi d'une époque à une autre. Maintenant, parlons ici, puisque en tant que serviteur d'Elohim, j'aimerais parler de l'imagerie du serpent au niveau de la foi messianique, au niveau de la parole d'Elohim. Et comme vous le savez très bien avec moi, le serpent est une créature créée par Elohim au commencement, et c'est le premier animal à être nommé dans la Bible. Quand vous lisez toute l'historique biblique, vous allez voir que le premier animal qui a été nommé dans la Bible, c'est bien le serpent. Et le serpent était un animal de champ jusqu'à ce que ce dernier a pu initier Adam et Ève à la connaissance du bien et du mal. Alors cela lui a valu d'être jugé, de subir le jugement divin. Et le jugement divin l'a fait changer de classe. Donc il est passé de la classe animale à la classe d'un reptile. Alors le serpent devient un reptile. Et à partir de ce moment-là, le serpent commence à fasciner tant dans le bien que dans le mal. Et on retrouve le serpent dans ce qui est positif comme dans ce qui est négatif. Donc, dans la transmission de la vie, dans la conservation de la vie, on retrouve le serpent, tout comme dans la destruction de la vie, on retrouve le serpent. Donc, un symbole totalement ambivalent qui peut aller dans un sens comme dans un autre. Alors, lorsqu'on avance avec l'affaire du serpent, on va se retrouver avec le serpent, par exemple, sur la coiffe ou encore sur le casque de Pharaon. Vous allez trouver qu'il y avait toujours la tête du cobra qui était là, qui représentait en quelque sorte l'élimination des pharaons, qui représentait en quelque sorte la sagesse du pharaon. Et le serpent était en quelque sorte l'animal protecteur de l'Égypte pharaonique et était une porte qui permettait au pharaon de communiquer avec les divinités. Mais lorsque Dieu envoie Moïse pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, le premier miracle que Moïse va accomplir, c'est d'abord de changer son bâton en verge et ensuite d'absorber les serpents du magicien de Pharaon. Alors, justement, il faut dire que le serpent est un animal très important. Son symbolisme est associé au bien et au mal. On va retrouver ça dans la Bible, parce que dans la Bible, on va parler du serpent qui tente. Mais lorsqu'on va élever le serpent dans le désert, qui déjà est une préfigure du Christ, alors on va parler du serpent qui monte. Donc, dans la symbolique du serpent, il faut justement dire que toutes les théogonies, toutes les différentes traditions qui ont existé, les anciens ont associé ce symbole au feu. Ils l'ont associé également aux manifestations supérieures de l'homme. Ils ont également associé ce feu serpentin à l'événement de la Pentecôte, parce que c'est très lié. Alors, justement, parce que le serpent, il a cette force de pouvoir nous transformer.
Les gnostiques déjà parlent du serpent igné de nos pouvoirs magiques avec lequel justement nous devons nous lier. Faire des travaux d'une certaine profondeur pour avancer. De toute façon, même le Christ de temps en temps, il disait, ben voilà, soyez prudents comme machin, les serpents et je ne sais pas quoi avec les colombes. Ça c'est le docteur Mbotet qui va retrouver le passage, ça c'est lui, c'est son domaine. Mais c'est pour dire exactement que dans la Bible également, il est question de cette affaire. Donc finalement c'est quoi? Que le chrétien ne me dise pas qu'il n'est pas totémiste. Ah non, il est animiste parce qu'il est associé à des principes qui sont aujourd'hui, qui ne peuvent pas aujourd'hui, qui ne peut pas aujourd'hui écarter. Dans l'ancienne Égypte, lorsque nous parlons de l'astrologie, bien sûr, on va également parler de la chute du serpent qui devient donc la colombe chute et va devenir donc finalement le serpent, ou même une autre représentation du serpent qui est le scorpion en lui-même. Donc, c'est un travail à l'intérieur de nous, bien que ça ne représente absolument presque rien aujourd'hui chez le chrétien ordinaire, okay. Surtout. Là, je ne suis pas déjà d'avis avec vous lorsque vous parlez du chrétien qui est aussi animiste ou encore totémiste. Ça n'est pas absolument pas. Mais ce qu'on doit reconnaître d'abord dans un élément important, c'est lequel? C'est que lorsque Israël pêche dans le désert, comme vous avez su le citer en le survolant, puisque c'est des choses que vous ne maîtrisez pas, lorsque Israël pêche, c'est Elohim qui utilise le serpent pour juger le peuple d'Israël. Donc, les serpents vont mordre le peuple d'Israël. Et une fois que ce peuple va se repentir, alors il va être demandé à Moïse de concevoir un artefact de serpent d'airain afin que celui qui visualisera le serpent puisse conserver la vie. Maintenant, vous allez comprendre ensemble avec moi un élément important. Il n'y avait rien à voir avec le totem en cette époque-là. Et pourquoi est-ce qu'à cette période-là, la guérison des enfants d'Israël passait par le regard, la visualisation curative? C'est parce qu'ils étaient dans le culte ambre. Le culte ambre qui était le culte image des véritables cultes qui devaient arriver plus tard. Et c'est pour cela que lorsque le Christ arrive, il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Vous allez comprendre avec moi que le serpent, c'est d'abord un reptile. Et lorsqu'on détache le serpent de la terre, on l'emmène sur une perche, donc on communie deux éléments. Donc il y a l'arbre qui est là avec son principe ascendant, et vers la verticale, et il y a le serpent. Les deux éléments associés permettent alors de changer la nature du serpent pour lui transférer alors une nature curative. À ce moment-là, il y a la guérison. Mais lorsqu'on arrive dans la nouvelle alliance, avec le Machie, avec le Christ, il n'est plus question de visualiser. Parce que quand le Christ dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Il ne dit pas afin que quiconque regardera vers lui, mais quiconque croira. Or, la foi regarde à l'invisible. La foi n'a pas besoin d'un totem, la foi n'a pas besoin d'un élément physique pour pouvoir se centraliser. Bon, merci, et merci, docteur Mbota. C'est bien. Ce que je félicite auprès de vous, c'est cet effort que vous êtes en train de faire depuis que je vous ai connu pour faire des efforts de recherche. Vous sentez que vous n'êtes pas vous-même lorsque vous êtes en train de parler. Bien, c'est quoi finalement un totem d'après vous? Je dirais le totem. Mais d'ailleurs, puisons dans Sigmund Freud, dans sa psychanalyse, il parle bien du totem. Et le totem, c'est quoi? C'est cette représentation animalesque d'une forme donnée. Cette représentation, c'est ça le totem. Alors donc, si jusqu'à ce niveau, docteur Ben, là où tu es. Alors si, donc, docteur Mbota, dans cette confusion grave, il est en train de confondre les choses, il pense que ce n'est pas le totem, alors je dirais finalement, allez revoir vos connaissances. Parce que le totem, effectivement, existe. Et dans toutes les traditions qui ont existé, toutes les civilisations, vous allez retrouver le totem, la forme totémique, c'est-à-dire une représentation d'un animal, une représentation d'une idée, d'un égrégore, ainsi de suite. Bon, où est-ce que vous avez appris ça? Déjà, vous êtes très courageux pour m'aborder dans ce sens-là, parce que, docteur Mbota, vous n'êtes pas, vous êtes un chrétien, vous êtes un pasteur. Et encore, des pasteurs, nous connaissons, dans le sommeil, quand même, vous êtes en train de vous relever parce que vous faites des efforts, vous êtes en train d'aller puiser à gauche, à droite, et en lisant même dans l'Internet, vous retrouvez. Mais qu'est-ce que vous allez me dire avec le travail sur le serpent? Vous parlez de la visualisation. Depuis quand vous êtes entraîné à la visualisation, docteur Mbota? Non, je vous dirais non.
Mais il n'était pas question d'une visualisation. Il était question d'un travail qu'on devait faire ici et maintenant pour que ce processus à l'intérieur de vous génère. D'ailleurs, lorsque vous allez retrouver chez les Égyptiens, vous parlez des Égyptiens à celui qui connaît bien les Égyptiens. Bon, lorsque vous allez chez les Égyptiens, par exemple, vous allez retrouver sur le sarcophage de Toutankhamon, d'un côté, vous allez retrouver le serpent, vous allez retrouver le vautour. Merci beaucoup. Je crois que voilà les deux processus du travail. Vous m'écoutez, mais vous semblez ne pas me suivre. Vous semblez ne pas me suivre parce qu'il vous faut à tout prix dire quelque chose pour marquer votre présence. Mais tu es alors, déjà ici, je vous ai fait comprendre un élément important. L'élément important que je vous ai fait comprendre, c'est lequel? C'est sous ordre de Elohim que Moïse a représenté le serpent d'airain. Cet artefact était fait sous ordre du Créateur. Et la condition pour qu'il y ait la guérison, parce que là déjà, il y avait un principe. Il y avait deux principes qui étaient mis en cause en ce qui concerne le serpent. Le serpent avec son venin peut tuer. Le serpent aussi, comme peut-être vous ne le savez pas, avec son venin, on peut aussi guérir. Parce que le serpent avait aussi le pouvoir, le venin du serpent a aussi le pouvoir curatif à une certaine dose. Voilà pourquoi vous allez demander aux pharmaciens ou même aux médecins, ils vont vous parler, vous expliquer le symbole du serpent qui crache son venin dans une coupe, dans, ce qui, dans les représentations. Alors maintenant ici, j'aimerais vous faire entendre une chose qui est importante, c'est quoi? Lorsque Dieu dit à Israël, de regarder vers le serpent d'airain. Il s'agissait d'un regard. Et quand on parle de regard, c'est parce qu'il y avait une représentation, comme vous avez dit, un totem, une représentation totémique qui était là, qu'il fallait regarder pour conserver la vie en soi. Mais quand on arrive aujourd'hui, lorsque le Machia arrive, il fait une allégorie, il fait une transposition. Il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui. Il ne parle plus afin que quiconque visualise, quiconque regarde, conserve la vie. Et voilà pourquoi ceux qui ont mal compris les choses, comme au niveau du système catholique romain, ils vont représenter Christ sur une croix pour dire le serpent a été élevé, il faut le regarder, ils doivent être constamment devant cette croix-là. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que l'affaire du salut consiste alors à croire. Et une fois qu'on croit, alors on est délivré. Bon, merci. D'accord. Docteur, merci beaucoup. Je pense que c'est une phase introductive. Ah bon. Je vais quand même poser une question. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer le serpent représente-t-il la divinité? Est-ce qu'aujourd'hui, le serpent, je ne dirais pas, peut prendre la place de Dieu? Est-ce qu'il symbolise Dieu? Dans certaines cultures, le serpent représente la divinité. Ça dépend dans votre tradition chrétienne, en fait. Bon, non. Le serpent, c'est une créature. C'est une créature, bien qu'il y a des gens qui agissent en mal, qui prennent des énergies et tout, parce que là, on parle du côté physique, mais il y a aussi le côté mystique du serpent, comme on en a parlé, puisqu'il y a des gens qui travaillent avec ces forces-là et qui ont des serpents. Donc, il ne représente pas la divinité. Non, il ne représente pas la divinité. Donc, il peut représenter le diable. Il peut représenter le diable. Il peut représenter le diable, tout comme il peut représenter, dans le cadre de la vertu, puisque le Christ a comparé l'homme, il a demandé aux disciples d'être prudents comme le serpent. Et la prudence du serpent consiste au fait que le serpent vit une vie cachée. Il ne vit pas une vie découverte. Je crois qu'il est en train de pédaler hors du vélo, c'est vrai. Mais, docteur Botta, le serpent, il a un venin. Et aujourd'hui, je vous rappelle que le venin du serpent cobra est en train d'être utilisé pour guérir la sclérose en plaques. Et vous prenez le serpent crotal aujourd'hui, il est utilisé pour guérir le cancer. Bon, serpent, le serpent symbolise, a un pouvoir. Symbolise en lui. Symbolise la divinité. Il va donc symboliser le dieu Esculape que vous retrouvez chez les Grecs. Mais ça, docteur Mbota, ça vous manquait. Alors, donc, quand on va sortir là, vous me demandez les références, je vais vous les fournir. Ça, ce serait très bon pour vous, pour que vous puissiez compléter les quelques petites bribes de connaissances glanées, ça et là, que vous avez retrouvées dans l'Internet. Mais ça, ce n'est pas chrétien. Alors, donc, la force du serpent, c'est justement cette énergie qui provient du protocosmos, qui descend, qui se réincarne dans un animal. Mais pas cet animal que nous voyons là. Allez demander à cet animal-là, il ne vous le dira pas, que moi, j'ai cette représentation. Tout comme devant l'entrée d'une pharmacie, on va retrouver un serpent qui est enroulé autour, par exemple, d'une coupe en train de cracher le venin. Non, ce n'est pas ça. Le serpent, là, quand tu vas voir, va lui demander, il ne connaît rien de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Mais il s'agit d'une représentation animalesque, donc il faut nourrir la question de l'égrégore. Qu'est-ce que c'est que l'égrégore? Et je te rappelle, il existe l'égrégore du serpent noir et l'égrégore du serpent blanc. Ça existe. Mais qu'est-ce que vous voulez croire, mon cher ami docteur Mbota? Mais vous êtes sorti de votre domaine. Les deux serpents dont on parle, mais on va retrouver ça dans toutes les traditions. Vous savez que ça, il s'agit d'un aspect totémique.
Merci beaucoup. Rien à voir. Question, avec question au docteur. Que vous êtes en train de voir. Voilà, au docteur René Boris Mbota, vous avez peut-être une minute pour reprendre. Que représente cette scène entre, en fait, dans la maison de Pharaon, entre Moïse et les magiciens de Pharaon, le serpent de Moïse qui avale les serpents des magiciens de Pharaon. Bien, mais c'était d'abord une démonstration de puissance parce qu'il fallait d'abord ôter au Pharaon le symbole protecteur du royaume de l'Égypte parce qu'on ne pouvait pas s'attaquer à une nation comme l'Égypte sans d'abord ôter le pouvoir du Pharaon. Et c'est ce qui avait permis à ce que le Pharaon devienne vulnérable. Donc Moïse a d'abord, le bâton de Moïse a été changé d'abord en serpent et ensuite les magiciens ont fait la même chose. C'est pour montrer aussi une chose importante, c'est que les magiciens peuvent réellement produire un sort. Ils ont pu changer leur bâton en serpent, mais ils n'ont pas pu faire le contraire, ce que Moïse a fait. Et le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon, le magicien de Pharaon. Ensuite, Moïse a relevé son serpent qui est redevenu le bâton d'enseignement. Maintenant, à partir de ce moment-là, cela a permis à Moïse d'avoir de l'ascendance sur les divinités égyptiennes et de commencer à frapper sur quel commentaire les enfants d'Israël. Effectivement, il s'agit là de représenter les deux types de serpents. D'accord. L'abominable organe Kundartigateur, lorsqu'il est activé, descend vers le bas, et la Kundalini, donc le serpent, le feu serpentin qui monte et qui devient donc le feu de la Pentecôte. Et c'est normal parce que Moïse a appris auprès du Pharaon. Moïse n'est pas un chrétien. Moïse, c'est quelqu'un qui a appris la magie, qui a appris la science, qui est allé chez Yétro là-bas, qui a appris la science. Donc, pas comme les chrétiens d'aujourd'hui qui se limitent à la lettre qui tue, à la lettre morte. Donc, nous y reviendrons, docteur Mbota. D'accord. Nous reviendrons dimanche ici. Merci. Donc, c'était une manière d'introduire dans ce face-à-face. Nous revenons et donc, le face-à-face dimanche prochain se focalisera sur des questions. Donc, vous répondrez aux questions du journaliste, mais aussi peut-être aux questions du public. Et merci d'avoir participé à ce face-à-face dans le cadre de notre thème animaux totem, animaux sacrés. Aujourd'hui, nous avons vu la mystique du serpent avec le docteur Renaud Boris Mbota et l'instructeur Francis Ganga. Numéro de téléphone 06 632 96 34 05 361 45 62 06 522 46 66 06 522 46 66. Voilà, Didi Pina Silas qui nous suit depuis Paris en France, Jean Marley à Konzo Bambi, toujours en France. Merci. Merci au directeur général André Ondelé. Merci aussi à M. Eugène Ruffin-Bouya, DG du GIOT.